tout cas, le stream il est nickel. Ouais, donc d'accord. Bon, bah, le paston glotte, c'est quand il prend des photos et il kiffe là. Il y a rien, non? Qu'est-ce qu'il fait ça? Et ça, non? Ah, il y a. Mais attends, tout à l'heure il n'y avait pas un appareil photo. Ah, il y a une porte maintenant, mais c'est quoi ces conneries? Mais c'est quoi? C'est quoi? Bon. Wow. Merde. C'est quoi ces conneries? Bon, c'est pas grave. Attends. Mais ouais, tu fais que ça change tout le temps. C'est énervant. Mais non, mais ça doit pas changer en fait. Bah, on va prendre. Ça fait. C'est quoi ce bordel? Hein? What? Oh! Non, non, sois gentil, sois gentil, sois gentil, non, maman, non, 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 cours, toi, oui, 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 allez, gentil, 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 allez, hop, hop, maman, Allez, grimpe toi. Allez, 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 on s'en fout, on s'en fout. Allez, je vais me faire découper en morceaux. Putain, c'est quoi cette horreur? Bah, c'était une moche. T'es pas belle. T'es vilaine, pas belle. Ah, un rat. Ah ah ah. Bizarre le truc. On va traverser le bordel. La vilaine. Un chaud le bordel quand même. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai déjà un couteau, c'est déjà pas mal. Ah bah ça.
Régénération automatique de santé. Lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous restez immobile. Donc essayez de tourner, de trouver un endroit sûr pour vous cacher et reprendre des forces lorsque vous êtes dans une situation critique. Oh, normalement, si on bouge pas, ça va plus vite. Ah ouais, mais non, mais... On peut boire du café? Attends, ouais. Ah. Péter du Mais c'est navire. quoi cet endroit? Non, les chiottes, y'a quoi? Y'a rien. Ma seringue. Ma drogue. Donc, y a quoi dedans? Là, y a rien. Ok. Mais non, mais je suis pas obligé de faire ça, s'il vous plaît. Merci. Ah, voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est à prendre? Prendre. Journal de la maison abandonnée. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir un appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres. Ces derniers jours, c'est le pire scénario qui soit. Mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles, ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leurs âmes et de la mienne. D'accord. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, c'est cool. On a récupéré un dossier. Ah, fichier a été ajouté. Voilà, fichier. Fichier. Voilà, ça c'est la lettre. Ok, ouais. Et voilà. Non, pas encore. D'accord, c'est bon. Donc, est-ce que je peux boire un petit binous même pour oh, pas passer ça. Allez. Ah, ça c'est bien ça. Enfin, Où quand j'avais besoin de toi. il était pas là. Le coquin. C'est peut-être le bon endroit. Ah, peut-être, hein. Précise bien. J'espère que tu es là. C'est là, c'est maintenant. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle était prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa. Et Mia n'a jamais été aussi belle. Oh, I love you, daddy. Oh, c'est ma mimi. Dans quoi je me suis embarqué? Kidman? Où étiez-vous? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, fait chier, c'est un deuxième beacon.
Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. Ah, pour en choisir, là, voilà. Ouais, normal. Ouais, voilà. Ouais. Ah, d'accord. Oh. Voilà. Voilà. Chut. Je me drogue. Les couteaux, comment s'utilise le couteau en fait? Et je sais qu'on peut fouiller les poubelles en fait. J'avais vu ça l'autre jour. Allez, fouille! Donne-moi un truc. Vous pouvez fouiller. Allez, binon. Ouais. Ça c'est pour tirer normalement. Ah, il y a peut-être un document dedans. Non. Ouais, ouais. On va sortir. Ouais, par là. Ah, une plante, ça. Herbe. Une plante naturelle de vertu médicinale. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. D'accord, super. Maintenant, on est dans un RPG. On va passer par là, non. Voilà. Ah, le pauvre m'a abandonné là à pourrir. On peut pas s'ouvrir là pour récupérer un truc. Oh. Mais quoi? On peut pas récupérer, t'as pas de l'argent là. Ah putain. Et si on tient dans la voiture? Ah. Ah. Je me disais bien. Y'a pas un truc à récupérer. Oups. Comment bousiller ces munitions? Faites comme JR. Tirez un peu n'importe où. Ouais, tout simplement. Tirez n'importe où. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. Ouais. Un peu trop tranquille. Donc. Non, ouais, d'accord. C'est dommage que c'est quand même un peu linéaire, quoi. Putain. Fais chier. Bah, le début. Eh oh. Eh. Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Eh, il y a la voiture. Je voulais voir la voiture, moi. Pas besoin de... Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Manger, dit que j'ai la peau. Que les gens sur les os. Dois manger. Finis ton assiette. Dois manger. La peau sur les os. Ah.
Et voilà. Je fais tout ça pour ton bien. C'est quoi ça? Une petite ville tranquille. What? Attends, tu mets une balle dans la tête. Comment on les bute? Ah merde! Le couteau! Le couteau! Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau Beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. J'en sais rien, mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Mais t'es... Mais c'est quoi ce bordel? On va voir le pauvre gars là qui est... Ah, lui a éclaté la gueule, quoi. Oh. Oh, c'est vraiment... Il est vraiment dégueulasse, le jeu-là. Putain, le 1 était... C'était un peu gore, mais là... Là, franchement, ça dépasse mes espérances. Je m'éclate à éteindre la lumière et la télé. Je la rallume, je l'éteins, je la rallume, je l'éteins. Ah oui. Ah, c'est quoi ça? Oh! La pouquette. Ah! Un mélange d'explosifs composé de nitrate de potassium, de soufre et de charbon utilisé dans les balles et les cartouches. 12e siècle d'existence. 12 siècles d'existence est toujours aussi efficace. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des munitions ou d'autres objets utiles. D'accord. Si je passe là, il n'y a pas un petit truc derrière le... On peut pousser ça. Et là, il n'y a pas un petit... Allez. Fais pas ta pute. Ouais. Je vois. Est-ce que je peux faire de la fabrication? Et comment on peut fabriquer un truc? Si je fais ça et ça, non. Ah, pas de données possibles, composants, équipement. Il est vide. Mais c'est pas normal. Ah. Ben normal, oui, voilà. Tirer carré pour recharger. D'accord. Voilà.
Donc, ah, grimper. Ah oui. D'accord. Ah bon, bah là, il n'y a plus personne. C'est marrant. Tut. 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 On se calme. Allez, hop là. Comme ça, on se débarrasse de cette connerie. Ah, mais c'est bon. Comment détruire un objet? Ah, voilà. Oh là là. Ah, compo. Pièce détachée pour... Ouais, bah... Ok, ça, ça n'a pas changé. Et cela, on est plus de comment, alors? D'accord. Ok. Ok, ok. Yeah, bon, c'est pas grave. On peut pas. Oh, mais allez. Hop là, allez. Hé, avance. Mais c'est quoi ce bordel? Bon. Welcome to Inyan. We are glad you are here. Mais désolé pour mon anglais, hein, j'ai un peu de mal. Sprinter, non, bah c'est normal. Ouais, non. Ouais. Est-ce qu'on peut aller? Non. Attends, c'est bizarre. Quoi encore? Allez! J'en ai quand même pas mal à buter là. Oh, oh bah oui, laisse tomber. Morts. Merde, ces saloperies sont partout.
Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. D'accord. Plan cafétéria, non, 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 non. Ah oui. Ouais, pareil. Et si j'essaie de le buter pour récupérer son arme, c'est possible? Merde! Okay. J'espère que ça tiendra. Wow.
Ah, oh là là là. Là, gentil. Gentil, gentil. Voilà, on avance tout doucement. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Gentil, toi aussi. Pas. Gentil. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez ? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez ! Où je tire ? Ah, désolé pour la manette. Vas-y, mets-lui une balle dans la tête. Les soldats auraient pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Et bon. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Et tu vas te calmer, toi ? Truduc. Moi, c'est O'Neill. Liam, O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance, alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui, Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Allez. Ok, si vous voulez. Fusion ! Vous étiez 5 dans votre équipe. Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et qu'une autre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais, sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent.
J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu ? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Ouais, j'ai fait tout ce qu'il m'avait dit. C'est bon. Donc, je vais boire un petit café. Ok, c'est cool. Un petit café, là, tranquille, quoi. C'est de l'SP, la base du carton, là. Ça détend. Ouais, si tu le dis. Ah. Attends. Contient cela, d'accord. Voilà, ça c'est bon. Ah, établi. Est-ce que je peux crafter quelque chose ? C'est pas style de le dire. Je vais chercher ça, 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 ça. Fabrication, amélioration d'armes. Non. T'es pas faire aimer. J'y fais faire aimer. Ah bon, c'est pas grave. Fabrication. Ah. Eh, c'est dégueulasse. D'accord, il me faut 3 plantes pour faire une seringue. Là, il m'en faut... Ouais, je sais pas combien. Information sur l'objet. La poudre à canon. J'en ai 2. J'en ai 14 poudres à canon. Il m'en faut 20. D'accord. Craft, nanana. Ok. Ah. Peut-être pour... Ah, et là, voilà. On va prendre un peu de pièces détachées. L'ordinateur... Hein. Je me demande à quoi sert, mais bon. Fabrication. Qu'est-ce que je peux faire avec... Non. Amélioration. Ah ! Je peux ou je peux pas. Amélioration et capacité cadence de tir. Je pense que je vais faire puissance de feu d'abord. Attends. Gendarme, c'est bon. Voilà. Voilà. Il est gentil, mais il est tout plein. C'est quoi ça? Ça, c'est...
D'accord, là c'est par là, ok. Et tu vas te calmer avec les portes, toi. Ah! Quoi ce délire? Mais qu'est-ce que... C'était qui? Attends. D'accord. Et là, normalement, si je vais dedans, attends, attends. Récupère le bonheur. C'est pas encore le fauteuil. Encore. Mais là. Craft. Oh, ma belle infirmière, où tu étais passée? Laissez-moi sortir! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Ah, c'est gentil si tu me composes tes faveurs. Vous savez, comme avant. Vous savez, comme avant. Fais voir ta culotte. Pas en dessous. Donc j'en ai combien? Et j'en ai combien moi? Ah. Putain, c'est cher. Ouais. Stabilité 1000. Bah, je pense que je vais améliorer la santé. Ah voilà, pour l'instant... On fera avec. Je ne comprends pas. Cet endroit. Vous. C'est comme Beacon. Mais ce n'est pas Beacon. C'est Union. Ah bon? Ça me paraît familier pourtant. Ces murs. Cette chaise. Vous. Pour moi, c'est comme si rien n'avait changé. Je sais que mon bureau est relaxant, mais ce n'est pas un endroit pour traîner. Comment voulez-vous que j'aie les ongles parfaits si vous interrompez sans cesse ma manucure? Oh, mais tu vas te calmer, mes mères. Ne croyez-vous pas que le moment est venu d'avancer? Non. Je sais que mon bureau est relaxant. Ouais. Bon bah, hein. Je pense que je vais sauvegarder ici. Mmh.
Donc là, on peut pas sortir en fait. Il y a qu'un seul endroit qui est d'accord. Et comment on utilise la voix de... Résonance, d'accord. Blindé et signal robus. Donc on va faire ça. Là c'est la planque. Est-ce qu'on peut pas faire d'accord? D'accord, bah, de toute façon on va faire ça comme ça. Non, on va aller directement là. Et là-bas. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. C'est plutôt loin. Mais c'est la seule piste que j'ai. Bon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Oui, d'accord. Oh, bah ça va alors. Ah, voilà, on va faire ça. Eh, c'est relou là. Eh, laissez-moi avancer, merde. Ces choses entassent les corps ici. Mais pourquoi? Oh, bien la hache là. Voilà. Oh. Pardonnez-moi, mon Seigneur de grâce. Je sais que j'ai péché, mais pas ça. Pardon. Je suis désolé.
pas. Pardonne-moi, de grâce, pardon. Je ne fais plus. Pardonne-moi. Union, mélange idéal, le charme d'une petite bourgade avec le confort de la vie moderne, le tout entouré de toutes les merveilles que la nature a à offrir. Retrouver la sincérité d'une époque plus simple où le sourire amical et chaleureux des habitants apporte réconfort et convivialité. Échappez-vous du stress et de l'agitation et découvrez un lieu qui vous accueillera à bras ouverts. Union est heureux de vous accueillir. Ouais, on va dire ça vite fait, hein. C'est plutôt Union, je vais te bouffer. Venez, Union. Je veux goûter ta chair humaine. Donc ça, c'est fait. On se met derrière. Pas un petit... Ah, il y a une plante là-bas. Ouh. Voilà, c'est fait. C'est fermé, c'est pas grave. Non, ça c'est la planque où j'étais. Ah. Oh putain. Tuyau métallique, j'ai un bout de tuyau métallique, peu, hein. D'accord. Ah, on peut fouiller dans la poubelle. Je suis le clochard.
c'est un caillou que t'as pris là. Oula. Il y en a un, deux, trois. Oh, ça va être chiant. Trois butées. Hop, je t'avais une hache. Très bien, ça, mon gars. Ça, c'est bon, ça. Pourquoi ils se remettent des coups? Ah d'accord. Ok. Ah. Mais j'ai récupéré quoi là? 50 pièces détachées, c'est cool ça. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un de ces trucs. Ah, ça fait zizir, la barrette. Et relâchez pas tirer. Ah oui, c'est vrai, il y a les flèches carreaux, machin. Truc qui est bien relou. Oh, c'est abusé. C'est chaud quand même, hein, parce que...
Ça, c'est fait. Toi, t'as rien. Ah, peut-être là-bas. J'ai pas encore bouffé, moi, fait chier. Commence à avoir faim, un petit peu faim. Oh. Merci, mon gars. Pour l'instant, j'aime bien le délire, en fait. Franchement, par rapport au premier, bah, le premier était sympa. D'ailleurs, donc demain, je vais me le racheter. Je vais me le reprendre, quoi. Pour... Mais franchement, je crois, je m'attendais pas à ça en fait. Et Hey, tu vas te calmer toi. Vraiment bien parce que c'est beaucoup basé sur l'infiltration en fait. Je pense que c'est beaucoup basé plus sur l'infiltration avancée. Après je sais pas si sur tu peux aller en bourrin. Bon bah moi je suis il s'est passé quoi là? Attends. C'est par là. Voir où ils sont allés. Hein? Encore des signaux. Ça ferait peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. Allez, signal rebelle et là le signal rebelle. Youhou, ça c'est la planque de qui ça? Pim pam poum là, je sais pas rien. Mais... vu qu'il y en avait au moins deux qui sont morts, je vais aller là-bas. Donc c'est où? C'est par là? Oh 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 oh. Des clous. Oh mais c'est pas possible. Il y en a partout ce virol. Hey!
Bonjour le bras. Ah, cool. J'en ai 26. Ah, j'en ai 54 exactement. Je suis mis dedans. Quoi ? Tu viens pas avec moi ? Pas le temps. Faut que j'aille au garage récupérer du matériel. On se retrouve ensemble.
Cet ordinateur fonctionne toujours. Qu'est-ce que... Bon, moi je pense que je vais changer de jeu. Il est pas mal, franchement, bah voilà, c'est vraiment sympa. Mais je vais revenir sur un FPS, sur Wolfenstein The Old Blood. Ouais, franchement, il est vraiment, vraiment pas mal, hein. J'ai vraiment bien aimé. Tranquillement, faire ses petites progressions tranquillement. Faire surtout les petites quêtes secondaires, en fait. Bon. Quitter vers le menu, oui. Yeah.